Le vice-président de la République, justement, Pierre Claver Maganga Moussavou, donc, qui a reçu en audience hier Ahmed Bakr, diplomate égyptien accrédité au Gabon. L'excellence des liens d'amitié et de coopération était au centre de la rencontre. Le point avec Prisca Mogula et Ivor Ovunza. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Gabon et la République arabe d'Égypte a constitué l'essentiel des échanges entre le vice-président de la République et le diplomate égyptien. Pierre Claver Maganga Moussavou et Ahmed Bakr ont évoqué le développement des secteurs clés. On tâche à ce que les projets et les missions qui ont été entamées auparavant continuent. On a mentionné particulièrement l'agriculture, le logement, il y a le secteur du bois, il y a le secteur des affaires et du commerce, il y a la santé, il y a l'hôpital égypto-gabonais, c'est un hôpital qui abrite aussi des médecins égyptiens qui travaillent ici. Il y a beaucoup de secteurs aussi prometteurs, quoi. Je crois que l'avenir porte beaucoup de chances pour les deux pays et pour la coopération entre les deux pays dans la formule. Le Gabon et l'Égypte entretiennent des liens depuis plusieurs décennies. Cette visite de courtoisie a permis aux deux personnalités de passer en revue l'état de coopération bilatérale entre le Caire et Libreville.